MC Matt de Phonetic Order, aussi Bondy. Et il y a Mr. Woods également qui, bah, je sais pas où il est parti, on l'a perdu dans l'histoire. Phonetic Order, à la base, ça part sur un gros délire, quoi, tout simplement. Je voulais à la base avoir un tatouage. Mr. Woods, il était. C'est arrivé qu'il fasse quelques tatouages. Du coup, on s'est retrouvé à faire un tatouage que j'ai toujours sur moi, forcément. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il faisait de la zik, je faisais de la zik, on est posé, le bœuf a dégénéré et on se retrouve ici. Donc voilà, belle histoire, belle rencontre. C'est ça, on est deux, c'est un duo et on tourne avec plein de gens, plein d'invités. Ça nous arrivait quelquefois de faire des feats avec également les Tasmaniacs. C'est le genre de délire qu'on kiffe et qu'on a envie de faire un maximum. Ce qu'on fait, c'est du hip-hop rock'n'roll. Donc on a des grosses influences avec notamment les Beastie Boys, les ICP. Toi, tout ce côté un peu hip-hop punk qu'il peut y avoir, notamment aussi avec les Zwinkels ou des choses comme ça. On fait du rock'n'roll avant toute chose, donc guitare, batterie, et on envoie. On a des grosses références qui nous marquent et qui, sur lesquelles on a envie de s'accrocher, c'est notamment des groupes tels que Zeke ou des groupes tels que Dead Kennedys. Donc on essaye de travailler un petit peu par rapport à des groupes dans ce délire-là et pouvoir faire un maximum de hip-hop rock'n'roll, un gros mix de ces deux mondes-là.